Et si je vous expliquais comment conserver son bronzage? Hello! Alors, bah écoutez, cette vidéo est en remplacement du live que je devais vous faire ce soir. On a eu des problèmes de connexion, rien ne marchait. Alors en fait, ce que je devais vous présenter pendant le live, je vais vous le faire en format vidéo et vous présenter comment conserver son bronzage. Avant de commencer sur le bronzage, j'ai des petites choses à vous montrer. J'ai reçu ces jolies boucles d'oreilles de Ligne D, donc je remercie Geneviève de me les avoir envoyées, c'était une petite surprise et j'ai pas été déçue. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles ne tirent pas sur le lobe de l'oreille. Elles sont assez grosses, vous voyez, elles sont quand même... Le fil est fin, donc elles ne sont pas lourdes et ça permet de les conserver sans que cela tire sur le lobe de l'oreille. Elles sont quand même très très jolies. Voilà. J'aime beaucoup les bijoux Ligne D car c'est de l'argent plus fin que l'argent qu'on voit d'habitude. Et ça permet surtout d'avoir un beau bijou pour un prix qui est tout petit. Je vous mettrai le lien ici dans la barre d'infos et vous verrez, il y a aussi un code promotion. Deuxième chose que je voulais vous montrer, je l'ai reçu en fin d'été, mais j'en avais déjà parlé l'année dernière. C'est ça, non, c'est pas ma nouvelle brosse à dents, c'est After Beach, c'est la brosse pour enlever le sable lorsqu'on rentre de la plage. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que cette semaine j'ai pris des vidéos au bord de la plage, vous allez voir pourquoi ensuite. Eh bien, j'étais habillée en tenue de travail, donc avec des chaussures normales, avec des talons. Eh bien, j'ai pu enlever tout le sable en partant de la plage sans aucun problème. Ça aurait fait négliger que j'arrive à travailler avec du sable sur les chevilles. Donc cette brosse After Beach, je vous mets le lien aussi en dessous. Alors pourquoi avais-je les pieds pleins de sable et pourquoi étais-je au bord de la plage pour faire des photos? Eh bien c'était pour vous parler d'Obaba. J'en ai parlé dans ma chronique radio mais je voulais vous en parler ici aussi. Donc Obaba c'est quoi? C'est un drap de plage on dirait. Obaba ça me fait penser à un tapis volant, je sais pas vous mais ça n'a rien à voir. C'est une petite fille qui a trouvé ce nom pour ce drap de plage. Ça existe depuis à peu près 8 ans. C'est une entreprise française et moi ce que j'aime beaucoup, enfin je sais pas vous, quand je vais à la plage, je déteste mettre mon drap de plage sur le sable parce qu'après, bah, pour s'essuyer, il y a plein de sable. Alors vous allez me dire, ça me fait un gommage, on en reparlera après pour la conservation du bronzage. Mais c'est pas exactement ce que l'on veut obtenir. Là, vous posez ce drap de plage, vous voyez, il est tenu par un élastique, il est tout léger, tout facile à mettre dans un sac de plage, vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. Ce drap de plage, vous le posez sur la plage, vous le maintenez au sol grâce aux piquetas. Les piquetas, vous connaissez les sardines, n'est-ce pas, des tentes. Eh bien, c'est le même principe, vous allez pouvoir mettre ces quatre piquetas aux quatre coins du drap de plage Obaba. Alors, je vais vous le dérouler et vous le montrer. Donc, le drap de plage Obaba se présente comme cela. Et vous le voyez ici au coin du drap de plage, vous avez ici un petit œillet et vous allez pouvoir glisser la piquetas, je ne sais pas si on dit d'ailleurs le ou la piquetas, peu importe, les piquetas, vous allez les glisser ici dans le petit œillet et piquer ça dans le sable jusqu'au bout. Et ça va maintenir votre drap de plage même s'il y a du vent. Alors moi je l'ai en version XXL. C'est la version 2 places, vous voyez, c'est du coton, c'est fin, c'est léger. Et du coup, l'avantage, si vous arrivez avec votre maillot mouillé sur ce drap de plage, et eh bien ensuite, il va sécher très très vite. Et ensuite, pour le replier, bah, moi, ce que je fais, c'est que je le jette dans mon sac en boule. Et quand j'arrive à la maison, je le replie, il y en a pour 2 minutes. On peut le laver en machine, il est tout léger. Et moi, je m'en sers aussi pour les pique-niques. Je le laisse dans la voiture en hiver. Et si j'ai besoin de m'arrêter quelque part pour un pique-nique, eh bien, je sors ça et c'est parfait. Voilà, je voulais vous présenter Obaba. Maintenant, on va passer à comment conserver son bronzage. Alors, je dirais que j'ai une robe de circonstance. Lorsqu'on arrive à la rentrée, on a envie de conserver le bronzage, mais pas de faire cet effet léopard. Parce que oui, lorsqu'on débronze, on a tendance à avoir la peau qui fait cet effet léopard que je porte ici, mais sur le visage, c'est pas génial. Alors, pour conserver le bronzage, contrairement à ce que l'on pense, il va falloir d'abord gommer. Et la deuxième étape sera hydrater. Alors, on va commencer par gommer. Pour gommer, vous avez les gommages que vous connaissez toutes avec ces gros grains à l'intérieur qui marchent déjà très très bien. Mais la nouveauté de cette année, ce sont les micro-gommages.
Ces micro-gobages, en fait, ce sont des crèmes qui contiennent de toutes petites billes, des micro-billes. Alors, par exemple, ici, c'est le Résultime. C'est un soin micro-dermabrasion, quartz et vitamine E. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Ce que j'aime bien, c'est justement, c'est tout petit grain. Alors, on a l'impression que ça ne va pas gommer, mais en fait, ce que l'on se rend compte, c'est qu'il y en a suffisamment dans le gommage pour bien enlever les peaux mortes. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est bien d'enlever les peaux mortes pour ne pas faire cet effet léopard. Donc, les micro-gommages marchent très, très bien. Deuxième possibilité pour faire du gommage au sens large, c'est utiliser des peelings. Alors, les peelings, ça va être des produits chimiques. Alors, quand je dis chimiques, dans la version naturelle, on en a aux acides de fruits, comme ici avec Sanoflore, c'est l'aqua merveilleuse, c'est un peeling botanique régénérant. Et dans une autre version, on a ici les disques, c'est Revitalif Laser 3, des disques peeling anti-âge qui sont à base d'acide glycolique et qui permettent d'avoir cette action de peeling. J'aime beaucoup ces disques car ils sont faciles à utiliser. Ce sont des disques comme ça qui sont jetables, qui ne servent qu'une fois. Et vous allez pouvoir, il y a un côté qui gratte un peu plus et l'autre un peu moins. Donc vous allez bien passer ça partout sur le visage et même ici sur le cou. Vous allez éviter le contour de la bouche et le contour des yeux. Bien entendu, vous allez juste en mettre partout sur le visage. Et donc ce peeling va se faire progressivement sans que vous vous en rendiez compte. C'était donc la première étape, gommer ou peler et enlever les cellules mortes sur la peau. La deuxième étape maintenant, c'est d'hydrater et je vais vous montrer les nouveautés en hydratation. Comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez gommé votre peau, vous allez lui apporter de l'hydratation, c'est indispensable. En apportant de l'hydratation à votre peau, vos cellules à la surface de la peau vont avoir une meilleure cohésion et ça vous donnera un teint frais et plus lumineux et vous mettrez ainsi en valeur le bronzage qui est encore là. Parmi les produits hydratants, on va avoir les sérums, plutôt les gels crème sérum et ensuite les gels et les gels crème. Commençons par les sérums. Je vous en ai déjà parlé, il y a deux sérums que j'aime beaucoup, ce sont ces deux-là. Le Minéral 89 de Vichy, qui est léger et pour moi parfait pour l'été. Et ensuite, le Yalu B5, le sérum de La Roche-Posay. J'aime les deux. Celui-ci, je dirais, est un peu plus hydratant que le Minéral 89. Après, tout dépendra de votre type de peau. J'ai également eu l'occasion d'essayer le gel sérum Résultime. Alors ça, c'est aussi une nouvelle formulation. Les gels sérums, on les trouve de plus en plus, donc je vous l'ai dit, dans Minéral 89 ou alors dans Yalu B5 le sérum. Ce sont ce qu'on appelle des gels sérums, donc c'est un peu plus épais que les sérums classiques. Et il y a également donc celui de Résultime qui est aussi très très agréable. Ils sont très très bons, vous voyez c'est un gel rose qui est un peu plus épais que les deux précédents. Donc après, tout dépendra de ce que vous aimez mettre sur votre peau. Moi les trois m'ont beaucoup plu. Pour compléter cette hydratation après le sérum, on met toujours une crème. Alors parmi les crèmes, on a vu dès l'année dernière apparaître ces gels crèmes qui sont très agréables à porter, qui se fondent dans la peau. Et le premier que j'ai pu essayer, c'était celui-là, c'est Hydragenius de L'Oréal, que j'aime toujours beaucoup. Vous voyez, le flacon est déjà bien bien entamé et c'est pas le premier que j'utilise. Cet Hydragenius de L'Oréal est vraiment très très bien. Autre gel sérum que j'ai pu essayer et qui me plaise aussi beaucoup, c'est celui-ci. C'est le Vichy L'Aqualia Thermal le gel crème ou alors la crème désaltérante de Résultime aux 3 acides hyaluroniques. Je vous l'ai déjà dit, l'acide hyaluronique permet de maintenir l'hydratation à la surface de la peau et donc d'avoir une hydratation optimale. Donc, côté hydratation, on commence par un sérum, donc ces gels sérums qui vont un peu mieux tenir sur la peau et apporter davantage de nutrition qu'un sérum plus classique. Et ensuite, ces gels crème qui permettent d'avoir à la fois la fraîcheur et l'hydratation. Alors, et vous, quels sont vos trucs et astuces pour maintenir un beau bronzage à la rentrée? Car c'est vrai que les jours commencent à baisser, on a envie quand même de garder un peu ces rayons de soleil sur notre peau. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il ne faut pas gommer, alors que c'est l'inverse, il faut gommer et hydrater. Dites-moi tout ici dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le, mettez-moi des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.
Et bien sûr, vous n'oubliez pas d'actionner la petite cloche, ça va vous permettre d'être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, mais aussi de vous prévenir lorsque je fais des lives. Celui de ce soir n'a pas fonctionné, mais en remplacement, vous avez donc cette vidéo. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et rendez-vous vendredi prochain pour le live à 18h. J'espère que ça va marcher. Là, je dois dire que je suis bien énervée. C'est la cata, on ne peut plus faire les lives. Voilà, j'ai plus de réseau 4G suffisant et on n'arrive plus à faire des lives. Alors, la semaine dernière, c'était tout flou et cette semaine, c'était encore pire. Bon, en remplacement, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, mettez-moi des petits commentaires, ça me fera toujours plaisir. Ciao !